5 million European youth out of work, and the EU's multi-billion euro plan to get them jobs has fallen far short. Now a plan to speed up the funding to boost the impact. Hello and welcome to People First, the EPP Group's monthly program on issues with impact on people like you. Joining us to answer some of your questions is Elisabeth Morin-Chartier. You are a member of the Employment and Social Affairs Committee here in the European Parliament and a member of the EPP Group. First, let me ask you though, what's it like back at home in your home district? What are youth telling you about how they're coping with this unemployment problem? Les jeunes en France ont envie de rentrer dans l'emploi le plus vite possible. Nous les poussons à faire des études et ces études doivent leur permettre l'intégration dans la vie professionnelle. Parce que l'intégration dans la vie professionnelle, c'est l'intégration dans la vie sociale. Et un État ne peut pas désespérer ses jeunes. L'État doit permettre aux jeunes de rentrer dans l'emploi. L'Europe doit permettre aux jeunes de rentrer dans l'emploi. Mais au-delà de ces jeunes diplômés, il y a aussi tous les jeunes qui sortent sans qualification des systèmes de formation et pour lesquels nous devons mettre en place des politiques européennes conjuguées à des politiques nationales pour les aider à rentrer dans l'emploi. Très bien. Alors, le reste de l'interview sera en français. C'est très bien pour moi. C'est ma langue maternelle. Donc. Super. Mais avant d'aller aux questions, regardons un peu plus près à ce projet de loi qui a été approuvé par votre commission. Regardons. The European Youth Initiative is a 6 billion euro program to tackle one of the most pressing issues facing Europe today, battling youth unemployment as high as 50% in some countries. The EU provides half the funding and the member states are to match it. So far, the program has failed to jumpstart the process. Only a fraction of the money has been allocated in the first 2 years of the 7-year program. One reason, member states hardest hit by the economic crisis have budgetary constraints preventing them from providing the matching funds for the initiative. That's why the European Parliament is considering a proposal to front-load 1 billion euros this year to speed up education, training and job creation. Under the proposal, the EU will boost by 30-fold its pre-financing of projects to 30%. The objective, to get 650,000 young people into jobs this year. One program, called the Youth Guarantee, is aimed at accelerating the transition from school to work via training and job placement. The accelerated 1 billion euros will also top up the European Social Fund in member states where youth unemployment exceeds 25%. Proposed by the European Commission, the European Parliament and Council would need to amend the European Social Fund rules by summer for the billion euro front loading to kick in. So the clock is ticking. Eh oui, évidemment, le temps passe pour le Parlement, pour la Commission. Ça fait un an depuis les élections en Europe et il faut montrer des résultats. Et donc, c'est là où on est maintenant. Pensez-vous que ce plan d'accélérer les fonds, ça va vraiment marcher? Écoutez, je l'ai fait et je l'ai fait voter au Parlement européen, ici tout spécialement, pour qu'il y ait une véritable accélération. Quel est le vrai problème que l'on rencontre sur le terrain pour aider les projets? C'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'amorçage par les fonds européens pour que les projets qui aident les programmes de création d'emplois pour les jeunes puissent prendre corps sur le terrain. Or, jusque-là, la législation était que l'Europe pouvait amorcer à 1% les projets. Maintenant, c'est 30%. Maintenant, 30%. Voilà. Voilà. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Et quand l'Europe veut aider la réalité de l'entrée des jeunes dans le monde du travail, l'Europe peut le faire. Elle l'a décidé. C'est chargé en fonds et en préfinancement pour que les projets puissent être aidés. Espérons que ça donne de l'espoir aux jeunes. Alors, vous savez ce que je fais? Oui. C'est que maintenant, je vais sur le terrain. Je vais suivre les projets sur le terrain pour voir comment les États membres et comment les porteurs de projets embrayent sur cette dynamique. Alors, voyons s'il y a des questions. Il y a sûrement des questions parmi les jeunes. Voyons les questions. La première. Donc, bonjour, je m'appelle Julie Do, je suis étudiante en deuxième année de logopédie et j'aimerais savoir si dans le cadre du projet du Parlement, s'il y a des fonds qui vont être consacrés aux stages, parce que je trouve que l'aspect pratique de notre métier est super important. Donc bonne question, les stages. Mais bien comment sûr, les stages.
avec le Fonds social européen. Le Fonds social européen que j'ai préservé, 75 milliards d'euros pour les 28 États membres pour la période 2014-2020. Les stages sont essentiels. Pourquoi ? Parce que c'est le maillon d'articulation entre la formation académique et l'entrée dans l'entreprise. Le stage doit être ce maillon opérationnel. Oui, bien sûr, vous pouvez faire financer votre stage avec le Fonds social européen. Et l'esprit d'entrepreneur, c'est très important dans ce programme, dans ce sujet. Voilà une question là-dessus. Bonjour, je m'appelle Carmen, j'ai 21 ans et je me demandais les fonds que le Parlement va utiliser, comment ils vont l'investir dans le secteur du business management. Donc sans doute qu'il y a des stages en gestion, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Des formations carrément, mises en place soit par des branches professionnelles, soit par des chambres de commerce, des organisations syndicales patronales qui peuvent permettre aux jeunes de créer leur entreprise. Les jeunes doivent être des créateurs. C'est-à-dire que pour moi, et dans le Fonds social européen, nous pouvons financer à la fois des formations qui, dans la formation initiale, aident au développement de cet esprit d'entreprise, mais aussi des modules de formation qui peuvent permettre des changements d'orientation, de passer d'un emploi salarié à la création d'entreprise. Oui, il faut stimuler tout ça, et le Fonds social européen est fait pour ça. Et comment stimuler le secteur artistique et culturel, c'est très important dans l'économie européenne. Il y en a une question de cela par quelqu'un qui s'y intéresse dans ce secteur. Voyons. Hello, my name is Mateusz. I'm from Poland, and I have one question. How could you help the young people who want to work in artistic and culture sector? How can gain some money to boost their innovation. Bon, innovation, high-tech. Comment aider le high-tech dans ce secteur ? Aucun secteur, aucun pays n'échappe à l'accès au Fonds social européen à travers la garantie jeunesse. La garantie jeunesse, c'est pour nous, dans le Fonds social européen, l'ensemble de la plateforme d'accès de toutes les politiques qui peuvent aider les jeunes à rentrer dans l'emploi. Que ce soit dans le secteur de l'innovation, de la technologie, de l'entrée dans le monde, dans l'entreprise, ou ici, dans le secteur, dans tous les secteurs, alors, d'entreprise. C'est valable pour tous les jeunes, pour tous les secteurs et pour tous les pays. Et même cette politique, si je peux me permettre de vous dire, elle est renforcée dans les régions où le chômage des jeunes est le plus important. Et voilà une dernière question des jeunes qui portent sur le Parlement même. Bon, donc je suis une étudiante en traduction. J'envisage peut-être de travailler au Parlement dans le futur. Comment est-ce que vous pourriez améliorer nos chances dans l'enseignement et nos chances de pouvoir peut-être rentrer au Parlement et s'investir dans le futur de l'Europe. Donc beaucoup d'espoir. Comment l'Union européenne pourrait aider une étudiante comme ça ? Superbe question qui me va droit au cœur, parce que les jeunes aient envie de s'investir dans l'Europe, c'est magnifique, c'est notre avenir et c'est l'avenir de l'Europe. En fait, je veux lui dire d'abord à cette jeune fille, il faut parler les langues vivantes. J'ai certains de mes collègues députés qui, ici, parlent 4 langues, 5 langues, 6 langues européennes. Bon, ça me fait rêver. Et vous, les jeunes, votre espace de vie et de travail, c'est l'Europe. Parlez les langues vivantes. Le deuxième point, c'est que vous voulez en faire votre vie professionnelle. Je vous invite à venir au Parlement européen. Je vous invite, vous m'entendez ? Venez. Et je vous montrerai ce que c'est qu'un travail de traducteur, ce que c'est qu'un travail d'interprète. Vous verrez comment ils travaillent, comment ils sont indispensables à notre travail, comment ils sont spécialisés. Et vous verrez aussi le niveau de pratique linguistique qu'il faut. Et je crois que mieux qu'un stage, venez nous voir. Et puis il faut voir combien c'est... C'est pas facile, hein, c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Parce que vous savez, moi j'ai fait de l'anglais. Quand j'étais au lycée, j'avais un bon niveau d'anglais. Mais quand je suis arrivée ici, en emploi affaires sociales, il a fallu que je
pratique de l'anglais de spécialité, que je sache négocier avec les syndicats européens, que je parle d'emploi, que je parle de retraite, que je parle... C'était pas vraiment le vocabulaire que j'avais appris dans Shakespeare. Ah oui, exactement, c'est vrai, il y a une autre terminologie. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame Chartier. Merci. Madame Chartier, de nous avoir accompagnés dans ce programme. C'est un plaisir. Merci. Et surtout pour tous les jeunes, c'est extrêmement important qu'on puisse leur faire savoir ce que fait le Parlement européen pour bien. Eux. That's it for now on People First. Find out more about the activities of the largest political force in Parliament by checking eppgroup.eu. Until next time, thanks for watching.